Le corps électoral est composé de 68 organisations membres. Il s'agit d'un nombre d'électeurs inscrits. Au poste de président ou de président du conseil d'administration, deux candidatures ont été enregistrées. Il s'agit de celle de l'œil d'aujourd'hui, représentée par Mme Sidikatou Fatimatou Adamon Bissirou Pouedete, et de celle de Wilda Benin, représentée par Mme Blanche Sono. Après le dépouillement des suffrages exprimés, les résultats du scrutin sont les suivants pour la fonction de président du conseil d'administration. Nombre de suffrages recueillis, 50 pour Wilda Benin et 18 pour l'œil d'aujourd'hui. Au regard des résultats, la candidate Blanche Sono de Wilda Benin est déclarée élue présidente du conseil d'administration. Le réseau Social Watch Benin a désormais un autre conseil d'administration. Blanche Sono de Wilda Benin conduira les destinées de ce réseau pour les 3 années à venir. La présente mandature, qui succède à celle présidée par Gustave Assa, aura pour mission essentielle de travailler davantage pour maintenir l'image de marque du réseau qui s'est illustrée dans ses prises de position en faveur de la promotion de la bonne gouvernance et la prise en compte des besoins des populations vulnérables. Blanche Sono, présidente élue pour la mandature 2018-2021, mesure déjà la portée de la mission assignée à son équipe. Chers membres du réseau Social Watch Benin, il me manque de mots pour vous signifier nos états d'âme. Le tout petit mot que je trouve à vous servir, c'est merci et merci. C'est un cocktail de sentiments qui m'anime actuellement. Un sentiment certes de joie, mais aussi d'une lourde responsabilité. Parce que c'est maintenant que le plus dur commence. Mais nous savons compter sur chacun, chacune, et sur vous tous et vous toutes pour la réussite de notre mandat. Nous allons ensemble viser la mission de Social Watch Benin, œuvrer pour l'opérationnalisation de la gouvernance inclusive et participative, aussi œuvrer pour le retour de nos camarades qui sont suspendus pour défaut de paiement de leurs cotisations, afin qu'ensemble nous puissions sauvegarder, voire renforcer les acquis de Social Watch Benin que le CA sortant nous a légué ce soir, et que vive le contrôle citoyen de l'action publique. Je vous remercie.